on essayait de sortir, de frayer un passage en fait dans une glace de couverture entre 7 et 8 dixièmes avec des morceaux de glace pluriannuelle, c'est-à-dire très dense, qui descendent de l'océan Arctique. Je vais monter dans le Nidpi pour essayer de trouver un chemin à travers les glaces pour pouvoir continuer à avancer. En fait, on vient de faire de l'ouest à fond pour se rapprocher de la Polynie. Maintenant, c'est tirer la côte nord, faire un compromis entre l'île où il y a du comptage à faire et essayer de rentrer en fjord. Donc ça rend les choses compliquées puisqu'on est encore à 33 milles du cap d'entrée du fjord dans lequel on veut accéder, qui est Scoresby Sound, côte est du Groenland. Et là c'est. Donc là devant, lui il est gros, costaud, profond. Donc il va falloir essayer de passer à sa droite. Mais on va essayer de bien glisser là, c'est pas mal. Et donc là on essaie simplement de se frayer un passage. Donc ça va être très long, la moyenne de progression depuis ce matin, 3h du matin, aujourd'hui à 10h30, là on a dû faire 12 ou 13 000. Aujourd'hui on voit, on dépose des ornithologues à deux spots différents pour qu'ils prennent des photos des oiseaux, pour les dénombrer plus tard. Et surtout on va commencer notre grande montée vers le nord, croisant les doigts pour pas être se retrouver bloqué dans les glaces, parce qu'on a un paquet de grosses distances à faire et il y a quand même de la glace tout le long. Pour l'instant les conditions sont au top, on n'a pas de vent, mais bon on sait que ça va se compliquer un peu après. Mais si ça reste comme ça, alors là c'est royal, c'est l'été. On voit rien en fait, là je suis habillé mais il n'y a pas besoin, hein. on peut tout tomber là, on peut tout tomber, il fait très très bon. Là, on voit une colonie essentiellement de guillemots bruniques. Et on est en train de compter. On est obligé de passer par la photo. Parce que c'est impossible à compter à l'œil comme ça. Ils sont cachés les uns derrière les autres. Donc on cartographie, on fait différents plans. Et après, on prend ça tranquillement dans l'ordinateur.